A lot has been going on. A lot has been flying on the internet ever since I posted my vehicle. I haven't rested, and I do not know why. I had wanted to keep quiet because, of course. Salut à tous et bienvenue encore sur Jésus une fois de plus. Merci de vous arrêter là, merci de liker et de partager cette vidéo au maximum. Ah oui, Jésus News est de retour. AKA Miss Congo International est de retour avec un nouveau Congo pour vous. Restez juste là sur votre première fois ici. N'hésitez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour beaucoup de news comme ça. Ah oui, oui, vous êtes la bienvenue dans la grande famille du Congo. Ça, déposez vos valises, vos bagages, vos gonna must go. Et vous êtes la bienvenue dans la famille. Ah oui, oui, j'espère que vous avez vu la vidéo que Destiny Etiko a fait hier. Et je vais laisser cette vidéo jouer à la fin de cette vidéo, ok? Bon, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je vais traduire pour vous. Et aussi, comme vous pouvez constater, ça c'est la femme. J'ai fait une vidéo hier concernant ce qui se passait sur les médias, concernant la nouvelle voiture, la Land Cruiser que Destiny Etiko a achetée. Elle a mis sur les médias et il y a plusieurs personnes. Et il paraît qu'il y a une fille qui le connaît, sa copine. Peut-être qu'il a largué les news dehors, mais Destiny Etiko est sortie avec sa part de version que elle ne connaît pas ce type. Et ce n'est pas ce type qui a acheté cette voiture pour elle. Et c'est parce qu'elle a travaillé dur pour acheter cette voiture. Et il y a plusieurs personnes qui ont donné le prix de cette voiture, que ça coûte 70 millions. Moi, je me disais même que c'est 20 millions. Que ça coûte 70 millions de naira. Et ce n'est pas une voiture achetée peut-être deuxième main. C'est une nouvelle voiture. Et Destiny Etiko est sortie alors en disant que elle ne connaît pas ce type et elle a travaillé dur pour acheter sa voiture et les gens ne veulent pas la voir et enjoy ces choses et que sa copine ou bien qui que ce soit, si c'est une copine qui est venue dire les choses sur les médias, que la copine là ne doit jamais voir quelque chose de bien dans sa vie. Elle a dit jusqu'à jurer le nom de sa maman et elle-même, elle a dit bon. Pour que les choses soient vraiment claires, elle doit jurer avec le nom de sa maman. Et il y a plusieurs personnes qui sont sorties, dire vraiment Destiny Etiko, on voit le mensonge dans tes yeux, que pourquoi est-ce que dans le Nollywood, c'est seulement les femmes qui achètent les grosses voitures, pourquoi est-ce que les hommes qui travaillent plus dur que vous, qu'il y a plusieurs hommes dans le Nollywood, ils travaillent plus dur. Et pourquoi est-ce que les hommes n'achètent pas les voitures si chères et consorts? Mais c'est seulement les femmes, certaines femmes qui achètent les voitures plus chères et tout, qu'on connaît tout dans le Nollywood. On connaît comment on paye même les gens qui travaillent plus fort que les autres. Et les grandes actrices, là, on connaît le prix qu'on les paye. Que pourquoi est-ce qu'elle manque jusqu'à être juste sous le nom de sa maman? Donc, il y a plusieurs personnes qui sont sorties avec les autres versions. Et comme vous pouvez constater, elle est en train de jurer sous le nom de sa maman et elle qu'elle ne connaît pas ce type. Et les gens disent que, et si tu ne connais pas ce type, comment est-ce que vous avez le même bracelet et qui alors t'a acheté cette voiture, maman? Les gens de médias, oh, je vous ai toujours dit, pour mieux vivre là, vivre caché, pardon. Parce que si elle ne mettait pas sa voiture, sa Land Cruiser sur les médias, dans un an, elle achetait deux voitures, elle achetait la Range Rover et la Land Cruiser. Bon, les gens ne veulent pas accepter que c'est son travail qui a acheté cette voiture. Et les gens comme les Miss Congo sont là pour partager sur les médias. Et il y a certaines personnes qui ont laissé des commentaires que j'aimerais aussi traduire pour vous avant de venir sur ce que la femme de l'homme a dit. Bon, nous allons traduire ceci. Cette personne dit Destiny Etiko. Il faut faire ton tapage sur les médias. Quand Elisabeth doit finir avec toi, au moment là, toi-même, tu serais KO. C'est ce que cette personne dit. L'autre personne dit, pas besoin d'explication parce qu'on te voit déjà que tu es en train de mentir. Et l'autre dit, madame, maman, si tu veux, tu casses la bouteille. Si tu veux, tu jures même avec le piment, maman.
On sait qui t'a acheté cette voiture et on sait que ce n'est pas toi qui as acheté cette voiture, maman. Elle est sortie avec cette vidéo alors pour vous dire, elle doit vous pimenter, que voilà sa langue cruzée. Elle doit entrer là. Elle doit conduire ça. Vous voulez vous partir, vous sauter, vous caler en l'air là. C'est pour elle. Maman, vous avez vu la vidéo. Et bon, alors, on continue avec les commentaires. Cette personne dit, maman, il faut te reposer parce que même Regina Daniel a refusé au début d'avoir connaître Monsieur Net. Même quand Monsieur Net l'achetait les voitures et tout et qu'on soit, elle refusait. Mais enfin, c'est sorti quand elle a épousé Monsieur Net. Cette personne dit, ah, Tata Destiny Ethico, pourquoi tu allais effacer la photo où tu as le même bracelet que l'homme sur ton profil? Maman, est-ce que nous sommes les enfants? Nous connaissons tout. Nous connaissons qui paye ton loyer. Nous connaissons qui est en train de t'aider à construire cette maison que tu es en train de construire. Que après 2 jours, maman, tu es revenue. Donc, ça veut dire que le mec a dit, ne gâte pas mon mariage, oh. Tu es sorti, revenu sur les médias pour parler. Et l'autre dit, maman, donc c'est seulement le Nollywood là, c'est seulement le travail dur qui t'a fait acheter une voiture de 70 millions de naira. Maman, tu ne pouvais pas investir dans la maison que tu es en train de construire. Et l'autre dit, maman, donc au Nigeria là, on travaille vraiment, hein. L'autre dit, maman, ok, ma fille, maman insensible, tu es là pour jurer, même sous le nom de ta maman, sur les médias. Si quelque chose arrive à ta maman maintenant, même si tu es innocente, les rumeurs, on doit seulement dire que c'est l'affaire que tu avais juré avec le nom de ta maman. Maman, l'autre dit, non, chez le marabout, jurer, parce que ce que tu fais sur les médias là, ça ne dit rien. L'autre personne dit encore, maman, qu'on parte à Okedji. Chez le marabout, vraiment juré, parce que ne reste pas sur les médias. Tu déranges les oreilles des gens en criant, maman. Et l'autre dit, ah, tu refuses toujours. Regina Daniel a refusé concernant Panette. Et enfin, elle est sortie avec la vérité. Maman, ta mère est innocente dans tout ça. Ne jure plus avec son nom. L'autre dit, maman, immédiatement après 9 mois ou 10 mois de pandémie, tu es sorti avec une voiture exotique. Maintenant, là, c'est seulement le film, là, maman. Marc, où vient cet argent? Maman, les gens ne veulent pas entendre. Et cette personne dit, donc, c'est seulement les rôles qu'on te donne dans le Nollywood, là, qui t'achète cette voiture. Maman, ton sugar daddy, là, fait gaffe. Et Destinétique au soir, alors, elle dit ceci. Maman, quand Dieu a béni, quand Dieu m'a béni et Dieu m'a donné un bon pain là, ça les fait mal. Hey! C'est ce qu'elle est sortie dire alors la famille. Et je vais juste balancer le reste des commentaires. Et la femme en personne de l'homme. Vous saviez, quand les choses se passent sur les médias, je vous ai toujours dit que la belle dame va rester chez elle. Peut-être elle va voir les choses qui circulent sur les médias. Et les gens la taguaient déjà. Elle est sortie alors. Elle est sortie en se présentant que bel dimanche à toute la famille, venant de la famille Docteur Elisabeth Jacques, riche fondatrice et quoi, elle a écrit les choses, c'est qu'elle est dans sa vie, présidente de telle compagnie, ceci, cela, la famille, mon mari, quoi, maman. Je ne veux même pas tout traduire ce que cette femme a écrit, mais elle est sortie juste pour vous faire connaître que elle est intacte avec son mari, que rien ne bouge là, que même si Destiny dit qu'on veut, elle saute, elle cale en l'air là, rien ne la touche l'orteil là. Bon, Destinétique, alors, est sortie encore. Elle dit, maman, je n'ai que commencé. C'est que le commencement de Destinétique. Ha! Donc, elle est sortie avec cette vidéo hier, alors, en disant que elle ne pouvait pas rester tranquille parce qu'elle a vu son nom sur les médias. Ça ne fait que marcher, patati patata. Mais en tant que star, on disait qu'elle reste tranquille, mais elle ne peut pas rester tranquille. Elle doit sortir pour clarifier tout ce qui se passe sur les médias et tout. Et cette personne se disait que, mais celui qui n'a rien fait, peut-être la personne doit rester tranquille. La personne ne doit même pas se tordre l'orteil pour dire, ah, je vais venir répondre aux
médias. Donc, plusieurs personnes disaient que comme elle est sortie en faisant une vidéo jusqu'à ce qu'elle maudit la personne, elle maudit sa copine, elle dit cela, wow, 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 si tu as fait ceci, oh, les mauvaises copines sont montées, sont descendues, vous n'allez rien voir dans votre vie, oh, je mets la vie de ma maman et moi en jeu, tout cela, tout cela. Donc, il y a plusieurs personnes qui disaient toujours que dès signatures qu'on ne dit pas la vérité. En tant que Miss Congo, je traduis juste ce que les gens disent. Je traduis juste ce que j'ai vu sur les médias. Ce n'est pas moi qui allais creuser la photo, s'il vous plaît. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire, ah, Josie, non, oh, si je ne voyais pas sur les médias, maman, moi-même, je devais rester bouche bée. Il devait seulement avaler que, ah, des signatures qu'on a acheté l'encrise de 70 millions. Bon, il y a certaines personnes qui disent qu'elle est en train de construire une maison qu'elle doit offrir comme surprise le jour de son anniversaire. Bon, les gens ne parviennent pas à comprendre que des signatures qu'on travaille dur là. Bon, mais certaines personnes disaient que même si elle travaille avec son haricot ou bien avec son piment, c'est le PIB des personnes. Et moi-même, j'accepte, mais le problème, c'est que les gens disent que pourquoi est-ce qu'elle doit venir peut-être faire comme si elle travaillait plus que tout le monde dans le Hollywood, qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui la regardent, elle vient mettre la pression sur les jeunes filles, pourtant elle sait bien où elle a trouvé son argent pour acheter cette voiture, maman. Hein? Josie a fini avec cette vidéo. Je vais laisser la vidéo qu'elle a fait jouer à la fin pour ceux qui comprennent l'anglais. A lot has been going on. A lot has been flying on the internet ever since I posted my vehicle. I haven't rested and I do not know why. I had wanted to keep quiet because, of course, a clear conscience feared no accusation. But things kept coming up and up as if I have done something wrong. So I am here to clear the air. I don't know this man you people speak of. I don't know him. I have never met him in my entire life. I swear with my life, I swear with everything I hold sacred. In fact, apart from my life, another person I hold so dear to my heart is my mother. I swear with my mother's life. If I have ever met this man, or him giving me any money, or him sponsoring my project, or him even buying me a car, let it not ever be well with me and my entire generation. But if not, these people cooking this whole thing up, the bloggers sponsoring it, it shall never be well with you all and your entire generation.